Hello, 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 c'est Tutor Fix. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Alors, aujourd'hui, nous allons attaquer un Mill Hill Kit. Avec tout l'accent qu'il faut, n'est-ce pas? Mill Hill Kit. pour la bonne cause, honnêtement, j'en ai jamais fait. Mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas le faire ensemble. J'ai regardé quelques vidéos, donc j'ai une vague idée de comment procéder pour la petite chose. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas partager cette expérience avec vous, dans le sens où il n'y a aucune vraiment explication en tant que telle pour le faire. Ça paraît un peu confus par la présentation, n'est-ce pas? Parce que c'est comme ça que ça arrive. Vous avez les fils, vous avez les perles, vous avez les petits boutons qui vont avec. Il y a la toile perforée qui est déjà là, plastifiée perforée qui est déjà là. Il y a peut-être des instructions à l'intérieur, je ne sais pas trop encore à ce niveau-là. Mais on va découvrir ça ensemble et je me suis dit, tiens, ça peut être un petit tutoriel pour vous. Qui peut être bien pratique si un jour vous décidez de vous en acheter un. Comme vous pouvez voir, ils sont un petit peu chers, vous allez dire, pour un petit truc qui est pas plus grand que ça, hein, parce que c'est quand même assez petit, hein, ça fait 12 cm sur 12, donc c'est vraiment un petit carré, enfin on va dire 13, hein, parce que c'est 12,7, on va dire 13 sur 13, un petit carré centimètre, hein, c'est pas très très grand, tout est inclus dedans, les perles, le fil, il y a des aiguilles dedans, il y a même le petit bouton extra décoratif que l'on voit ici qui est dedans. Donc une fois que vous avez le kit, vous n'avez plus rien à acheter. Donc oui, c'était un petit peu cher, c'est vrai, sur l'achat, mais au final, c'est pas si cher que ça si on devait tout acheter individuellement. J'espère que la lumière ne va pas nous faire trop de faux-bonds parce que un petit peu couvert aujourd'hui et puis moi j'ai un petit peu froid donc j'ai mis la doudoune aujourd'hui, donc voilà. Donc bah écoutez, on va l'ouvrir et puis on va découvrir ensemble un petit peu comment les choses se présentent à l'intérieur. Donc on va retirer ce qui nous intéresse, donc voilà, on va laisser le modèle là. Il y a le latté, il y en avait un autre que j'avais que je crois que c'était café. Oui, il me semble que c'est un avec un café, une machine à café à l'ancienne qui était dessus, qui me plaisait bien, mais il n'y avait pas en stock. Il n'y avait plus en stock. Donc je me suis dit, moi, je vais prendre le latté. Hein, je bois souvent du latté. Donc voilà. Café au lait, latté, voilà. C'est ce que je bois souvent. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Alors, donc, dans ce kit, nous avons les fils qui sont inclus, mais comme vous voyez, qui ne sont pas déjà triés. Donc voilà comment ça se présente. D'après les vidéos que j'ai regardées, si vous faites des kits assez régulièrement, vous vous retrouvez avec un petit stock parce que les couleurs reviennent régulièrement. Les mêmes couleurs de perles reviennent régulièrement. Donc, vous vous retrouvez avec un stock. Donc, c'est bon de préparer un petit peu en avance ce que vous pouvez avoir en stock en fil. Donc, voilà. Donc, ils sont quand même assez longs. Moi, ça ne me dérange pas cette distance. Il y a des gens que ça dérange. Donc, ils les coupent en deux. Mais voilà. C'est quand même un long fil quand même, quoi. Donc, ouais. Donc, on a les fils. On a les fameuses perles qui sont de la sorte. Avec dans celui-ci, on a les aiguilles. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon, on a les aiguilles dans celui-ci. On a deux. On a une assez grosse et puis une très fine. Donc, je ne sais pas exactement encore la raison. Nous allons découvrir ça ensemble. Et donc voilà. Et les perles, c'est à trier. Donc, il va falloir s'y mettre. Hein? Donc voilà, on a le petit bouton, comme je disais tout à l'heure, décoratif qui va avec. Petit bouton The Bottom Collection. Donc, à mettre avec.
on a la toile perforée. C'est marrant, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus rêche. Et puis finalement, je trouve que c'est doux au toucher. C'est bizarre comme sensation. Je trouve que c'est doux au toucher. Je ne sais pas si c'est moi, mais c'est rigolo, quoi. Ouais, c'est rigolo. Et puis, on a donc le fameux modèle en question. Je vais pouvoir suivre. Vous faire voir le modèle en tant que tel, mais il est là, donc voilà. Donc on a les explications avec donc dans la première colonne les symboles, donc dans la première colonne, dans la cette première partie qui est ici, je vais zoomer un peu comme ça vous allez peut-être mieux voir, donc voilà. Dans cette première partie ici, donc en fait, cette partie-là, vous avez le fil. Donc on a dans la première colonne les symboles. Ensuite, dans la deuxième colonne, on a la couleur. Et ensuite, on a la, le numéro de DMC. Donc le bleu, là, c'est un 311. Le dark brown, c'est un 433. Medium brown, un 435. Light brown 437, dark green 520, etc., 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 etc. Donc ensuite, on vous dit cross stitch. Donc en fait, il faut faire la croix en entier ou la demi-croix, je ne sais pas encore. Et on vous dit que dans le lot que vous avez ici, vous avez trois longs fils ou deux longs fils de chaque couleur. Donc voilà. Si je prends, je sais pas, il y a quoi comme couleur qui me sort. Il y a le bleu. Le bleu, on me dit que je dois en avoir 3. Ou bien je me plante. 1, 2. J'en ai 2 qui sont là. 1, 2. Est-ce que j'ai un troisième quelque part? Non. Non, alors je pense que c'est le nombre de fils qu'il faut utiliser. Ouais, je pense que c'est le nombre de fils qu'il faut utiliser parce qu'il n'y a que 2 bleus. J'en ai que 2 bleus. J'en ai pas 3, j'en ai que 2. Donc je pense que c'est ça en fait. Ouais, j'ai dû confondre en fait. Strength, oui, c'est le fil de distance. Donc en fait, vous en faut 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Et puis là, dans le dernier, le Very Light Brown 739 que l'on a ici. Là, il en faut 3 fils. Là, c'est le backstitch. Backstitch, il n'en faut que 2. Donc le backstitch est fait avec 2. Et les autres, les autres croix se font avec 3. Alors, je ne sais pas si c'est... Je pense que ça va être full cross. Autrement, je pense que ça aurait dit half. Je pense, hein. Je ne sais pas. Peut-être que je me trompe, mais bon, on verra bien. On découvre ensemble. Et ensuite, l'autre partie que vous avez ici, ce sont la partie où ce sont les perles. Donc, où sont les perles? Elles sont ici. Donc, les perles sont ici. Donc, on a différents symboles. Donc, voilà, on a les symboles en premier qui sont ici. Ensuite, on a la couleur de chaque perle. Donc, on a crème, marble sugar. Donc, deux différentes. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Hein, marble sugar. Ensuite, on a matte pumpkin, caption blue, autumn green, Pet Matte Chocolate, Boysenberry. So, je sais pas. Et ensuite, on a donc le numéro de chaque couleur. Je me dis, dans le pire des cas, vous n'êtes pas sûr de la couleur. Excusez-moi. Itchy nose. Si vous n'êtes pas sûr de la couleur, je dirais toujours demander à votre meilleur ami, Monsieur Google. Il vous répondra, il n'y a pas de problème. Hein, vous mettez le numéro de la couleur. Perle couleur whatever de chez Mill Hill,
Et puis, je pense que vous allez avoir une photo de la couleur exacte en question et vous allez pouvoir vous y retrouver. Donc, voilà, oui, c'est ça. Alors, j'essaie de voir. Very light brown. So the very light brown, c'est le 739. Voilà, j'essaie de comprendre. Donc voilà, ça c'est le 739. Very light brown avec half cross. Et il faut mettre deux fils. Et dans la perle, il faut passer les deux fils. Donc il faut utiliser la couleur cream avec le fil 739. Et il faut passer deux fils à l'intérieur. J'imagine light brown, puis là. Et bien, ça, ça me paraît un peu gold. Là, je me trompe, mais bon. D'avoir. Donc, je pense que light brown. Je sais pas. D'avoir. Faut que je découvre. Je suis comme vous, je découvre parce que je sais pas encore. Donc voilà. Et la dernière toute petite partie qui est là, donc c'est l'histoire du bouton en question. Donc on vous donne la référence du bouton en question et on vous donne qu'il faut prendre la lettre Middle for her Burgundy. Alors il est où? Burgundy. The medium. Burgundy. Il y en a deux, light or dark. Donc ça doit être le dark one. Burgundy, il faut trois fils. Donc voilà. Donc on a quand même le démonstratif de chaque chose qui sont ensemble pour bien comprendre comment ça fonctionne. These beads are together in one bag. Matte Pumpkins, je pense que tu sais, c'est Matte Pumpkins. Je me demande si ça va pas dans l'ordre. Enfin, Matte Pumpkins, Escampion Blue, Combi. Ah, Combi, parce que Blue, Purple Blue there. Autumn Green. Bien, c'est celui-ci. Goes Boysenberry and the Matte Pumpkins are together. I think that's what it is. That is a pumpkins one, and yeah, I think that's where it is. Ensuite, on a les autres après. Pet nut chocolate. These bags are together in a second bag. Okay. J'avais des numéros, peut-être que ça aiderait. All of the beads are together in a third bag. Oh, got you. Okay, I didn't see there was two. Okay, so the matte pumpkins and the boyberry are in that one. That's it, I got it. Okay, and then we got the symbol like this. Ça, c'était la petite étoile. Pumpkin and the boysenberry. And then on a ce symbole qui est ici. On l'a à côté du autumn green and du pet matte chocolate. So I believe that is the one. Green and chocolate. That's it. And then on a tous les autres. Qui sont dans ce sachet là, donc en fait on peut pas trop être confus, donc c'est quand même assez, même si c'est tout mélangé, c'est qu'il va prendre du temps à trier, parce que après c'est ce que je vais faire, c'est assez clair quand même, on va dire, dans l'ensemble quoi. Donc ouvrir un sachet à la fois, c'est ce qu'il y a de plus, je pense, correct à faire.
Donc voilà. Et ensuite, nous avons de l'autre côté, donc on tourne la page, évidemment. Je vais réduire un petit peu ça, comme ça vous allez voir un peu mieux de quoi je parle. Donc voilà, après on a les instructions au fur et à mesure de comment procéder pour la préparation de votre kit. Alright, donc on vous donne special instructions, on vous dit step 1, do all the stitching first. Donc en fait, on vous demande de faire tout ce qui est point de croix en premier, avant d'attaquer quoi que ce soit. Donc en premier, on fait toutes les croix, avant d'attacher les croix. We refer to the stitch diagram and generate stitching instructions. Après, step 2, attach all the beads, all beads, as charted in a designated color or floss of bead unless otherwise noted in a color code. Seed beads are attached with a half cross stitch and petite seed beads are attached with a cross stitch. Going through each bead twice so that it lies vertically. Refer to bead's diagonal and generate. Okay. Petite seed bead attached with a cross stitch going through each bead twice. Donc on vous conseille de passer deux fois dans le trou de la perle. Donc à voir. Bead attached with a half cross stitch. Donc la seed bead c'est un coup, un petit seed bead, il faut mettre deux fois. Ok. Step 3, attach the bottom uncharted. Donc à la fin il faut accrocher le petit bouton en question avec trois fils as a design flow coming through the back of the bag. Ok, that's fine. Stitch and bead diagram. Donc ça, c'est le cross stitch. Donc c'est la croix entière. The back stitch, donc on sait tous que c'est un fil à la fois. Bead with a half cross stitch. On commence en bas à gauche pour monter en haut à droite. Et on inclut la perle au milieu et toujours dans le même sens, surtout pour des perles. Et petite bead with cross stitch dans le même sens with a cross stitch, donc en fait c'est 1, 2, 3 et 4. Ok, donc en fait ok, got you, je sais pas si vous voyez bien. Donc en fait on fait 1, 2, on sort en bas à gauche, on passe la perle, on va mettre l'aiguille dans le haut à droite, ensuite on ressort en bas à droite, on passe dans le trou de la, comment on appelle ça, de la perle, pour finir en haut à gauche, et ce qui fait que votre perle, au lieu d'être de travers comme celle-ci, va se retrouver droite puisqu'elle sera prise en sandwich entre deux fils, donc elle va se retrouver droite automatiquement. On en apprend tous les jours, je vous le dis, on en apprend tous les jours. Donc voilà, et puis on vous donne des explications pour faire le bouton à la fin, ce qui est pas mal non plus, ce qui est assez sympathique. Cool. Voilà, donc ensuite on vous dit general stitching. Ok, find the center of the paper on the wrong side of the paper, draw a diagonal with the perforating press. Ok, the line crossing right, find the center of the design, look at the center arrow on the chart and determine the center of the design. I will use 19 separate. Ok, donc en fait on vous conseille de regarder un envers et un endroit. Alors, honnêtement,
Je vois pas où est l'envers de l'endroit. Donc, à vous de choisir ce que vous préférez comme envers, ce que vous préférez comme endroit. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de différence entre les deux. C'est exactement pareil pour moi. Mais bon. Et ce qu'on vous conseille, c'est que pour... Il faut commencer par le milieu. Donc, vous prenez une règle. Vous partez d'un point à un point. Vous faites une ligne. Partez d'un point à un point de l'autre côté. Vous faites l'autre ligne. Et le point central, ce sera le milieu de votre toile. Hein, donc la croix au milieu sera votre départ. Donc voilà, et puis ensuite, beginning the first stitch, hold the first tail of a floss on the back in the direction you will be stitching as you stitch, cover the tail on the back of secure plus, blah, 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 blah. Cross stitch with a full cross stitch, stitch a row of a full cross stitch in one direction to complete the row of cross stitch. Reverse the direction. The top leg of the stitch must always cross in the same direction. The same good name, say. Performant paper. Alors, on vous donne les dimensions du perforate paper. C'est un PP antique brown. PP 3 antique brown. Et c'est un 14 comptes. Each intersection line on the chart represents one hole of the paper. Each square on the chart represents over one from the hole. Okay. Needle. The large long eye needle is 24 tapestry in use for stitching. The small needle with a tiny eye, 10 tapestry beading, is used for beading. Okay. Donc la. Après on a vu. Je sais pas si c'est celui-ci. Dans celui-ci, on a vu qu'il y avait deux aiguilles différentes. Donc, la grande, ce qui est un peu de déduction, mais bon. La grande avec le long chat, c'est pour faire le point de croix. Et la petite, c'est pour les perles. Tout petit. Ok, là, c'est pour les perles. Donc, voilà. General beading. Beads. Carefully separate the beads. Matching the color to the description of the base. Floss uses two strands of floss. Refer to the color code of the floss on the stitch on the back. Counted bead embroidery, unless otherwise indicated in the color code. Split bead on attached half cross. And a petite C bead, if least in the color code, are attached with a cross stitch. Which bead must be. Ouais, donc, on vous précise, hein, après on vous indique hein, en général, comment, c'est toujours dans le même sens qu'il faut faire les croix et ainsi de suite. Donc, nous, on n'a pas de petites bides. Donc, en fait, elles seront toujours dans le même sens et on n'a pas à faire de grand-chose. Donc, voilà. Voilà ce qui est pour du général, qui, je trouve, est une explication quand même assez... assez clair, donc c'est clair, c'est net. Je pensais que ça allait être un peu plus compliqué que ça, et puis finalement ça ne l'est pas tant que ça. Donc, moi ça me convient très bien. Je suis contente que ça se présente ainsi. Donc, voilà quoi. Donc, cool. Donc, voilà ça. Alors, ce que je vais faire, je vais vous mettre sur pause. Je vais sortir de quoi trier les fils. Et puis, je vais sortir de quoi ranger les perles après et je vous reprends tout de suite. Donc, n'allez pas trop loin. Alors, me voilà de retour. Donc, j'ai sorti mes petites pochettes pour mettre mes perles. Donc, il y a 8 différentes couleurs. Donc, j'en ai sorti 8. Donc, voilà. Et puis, j'ai sorti une petite palette pour mettre les fils. Et de quoi mettre mes numéros et enfin mes symboles surtout, et puis coller tout ça là dessus. Donc on va s'y attaquer. On va commencer déjà par faire une feuille de symboles, ce sera plus simple. Compliqué, hein. Alors on a quoi comme symbole?
crois que j'ai fait quand même. On a un carré. Puis, on a le backstitch. On a besoin du backstitch. Donc, on a déjà commencé par couper ça. Et puis on va coller nos symboles là-dessus, qui sera beaucoup plus simple. Allez, hop. Mais le mot pour moi, ma part en fait en question, si c'est la première fois que je fais un meal helicade, donc j'ai absolument aucun stock, j'ai rien du tout. J'apprends, je découvre et je partage en même temps avec vous mon expérience pour une première. Donc voilà quoi. Si vous en faites plusieurs, par exemple, je vous conseille, entre guillemets, d'utiliser peut-être ce qu'on appelle des floss drops, c'est-à-dire ce que j'utilise pour mes fils que j'ai en phase finale, où je remets tout mon stock ensemble, en fait. Donc, vous avez un stock qui est constant, qui est présent. Donc voilà quoi. Donc ça peut vous aider de cette manière-là. Pour ça quoi. Donc, on va faire les symboles pour les perles. Donc on a d'abord un cercle avec un point au milieu. Ensuite on a un cercle, ensuite on a un underground, on va appeler ça comme ça ici, parce que c'est le symbole du underground. Il y a beaucoup de cercles hein, dans les perles, hein. Faut pas se mélanger les pinceaux. Hein. Ensuite, on a tout petit cercle. Pareil aux autres, c'est que des cercles. Donc, voilà.
Hey, Pops. Yeah, ouais. Pas s'ouvrir. Oh, allez, qu'est-ce qui se passe? Yeah, mon Dieu. Ok. C'est ok. Alors, le premier symbole. Alors, je reprends le premier symbole. Désolé, on a été coupé, j'ai ma batterie qui va pas tarder à me lâcher, donc je vais finir ça avec vous et puis après je vais charger mon téléphone. Hop. Voilà, ok. Donc maintenant je vais trier mes fils. On va essayer de prendre les bonnes couleurs ensemble. Donc celles qui sont à vue d'œil, on peut voir de suite. Et non, de quelle couleur il s'agit. Et mettre de côté couleurs qui se ressemblent, on a du orange. Hop. Ensuite on a un rouge pourpre. Ça c'est un autre orange, c'est pas le même. Yeah. The light one. Ensuite on a... Est-ce que ça c'est le même? Yeah. Donc on a le même qui est là. C'est ce qu'ils appellent le Burgundy, non?
Ensuite, on a... Ouais, presque je crois que c'est du noir, mais il n'y a pas de noir dedans. On n'a pas de noir, on a... Dark brown. Donc, there must be a dark brown, then. C'est presque du noir, donc on ne peut pas être confus. Hop, dark brown. Ensuite, on a light green. Ensuite, on a encore un orange, là. Je ne sais pas si... Non, celui-ci. Celui-ci. Ensuite, on est dans les brown. Oh, on a un autre vert qui est là. Non, non, c'est pas le même. C'est pas le même. Non, celui-ci est plus light than celui-là. Donc on va mettre ça là. Ensuite, on a... Light. Brown. Un, deux. Hop. Ensuite, on a... Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a dark brown. Ah, dark, comparé à l'autre, il est beaucoup plus clair. On va pas dire dark, on va dire brown. Donc du marron. Du marron, du marron, du marron. Ensuite, on a un marron beaucoup plus clair. Pour finir encore avec un autre marron beaucoup plus clair. Alors, qu'est-ce qu'il me reste encore dans les mains? Mes cheveux n'en font pas partie. Hein. Donc voilà, je pense que j'ai... Il me faut combien de couleurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 couleurs. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je disais c'est 11 ou 12? 12, hein? 3, 4, 5, 6... 11, 12, 12, je crois qu'il faut que je trie, c'est hyper monté, là. Je dois avoir deux couleurs différentes. Donc ça et ça, c'est correct, ça c'est correct, ça et ça c'est correct. Right. Il doit y avoir deux différentes couleurs. Donc on va les prendre one by one. Il n'y a que comme ça que je vais arriver à découvrir. Celui qui est le plus clair, c'est vrai que c'est du beurre bondé, donc c'est dur quand même à savoir lequel est le clair, lequel est le pas. Hop. Alors. Avoir l'œil, hein. Je pense voir lequel qui est light, lequel qui est foncé. Celui-ci, je sais pas si vous voyez bien, vous, mais voilà, j'ai trois fils et trois fils. Je pense que celui-ci est dark. C'est pas évident, mais je pense que c'est ça. Voilà. Là, c'est le dark one. Et là, c'est le light. Parce que je crois que c'est les deux mêmes. Hein. C'est vrai que c'est vraiment... C'est vraiment...
mettre ça sous ma lumière. Je vais voir si je vois mieux sous la lumière. Donc, je pense que je ne vais pas me tromper de beaucoup. Je pense que j'ai fait correct. De toute façon, ça ne sera pas énorme. Donc, je pense que ce n'est pas si dark on the right. Donc, voilà. Donc, on va y arriver. On va y arriver. Donc, alors, on reprend notre papier. Alors, blue, c'était le premier symbole. Hop. Bon, je ne coupe pas, je vais laisser mon fil comme ça. Je verrai si je dois couper au fur et à mesure. Là, ça, j'ai envie de couper. Donc, hop. Blue, ça va, on ne peut pas se planter, il n'y en a qu'un. Donc, c'est bon. Dark brown, 433, on a presque l'impression que c'est du noir, donc je pense que c'est ça, je pense pas que ce soit autre chose. Donc vous comprenez le procédé, hein, de ce qu'il faut faire. Donc, hop. C'est je pense que c'est un long procédé de préparer le kit. Mais j'allais dire, c'est comme tout kit, hein, même quand vous faites votre propre toile. C'est la même chose, hein. Medium brown. Donc, medium brown. Alors, regardez, 435, si je ne veux pas me tromper avec l'autre qui est là. Donc, on va regarder. Est-ce que j'ai dû... J'ai différents browns quand même, hein. Donc je pense que c'est medium, light and dark. Mais on va essayer de être sûr de ne pas se tromper. Donc on a dit dark brown 433. AMC and OK, donc je pense que OK, got you. Ça, c'est le very dark brown. Got you. The very dark brown, c'est le carré. Ça va être dans le carré. Maintenant, on va y arriver. Vous voyez, comme quoi, il faut demander à votre ami Google. C'est lui qui va vous aider. Hein. C'est lui qui va vous dire exactement où est-ce que vous vous trompez. Et puis le bleu, j'ai pas mis dans le bon symbole. Oh non, mais franchement, alors là, c'est de l'abus, eh ben non. Non mais hein, le bleu, c'est le S bizarre là. Voilà. Ok. Donc maintenant on est correct.
Voilà, on est correct. OK. Donc, the dark brown, I think it's that one. Dark brown. Oh, pardon, je vous ai bougé. Dark brown, hop. Donc ça c'est dark brown. Perfect. Ensuite, on a le medium brown, c'est 435, donc il n'y a pas beaucoup de différence, mais 435. Et MC color. Yep. Medium brown. Et ensuite, on a de light brown. That will be the very light brown. Bon, vous comprenez un petit peu comment on fonctionne, comment je fonctionne. Donc voilà, donc je vous mets sur pause. Je finis de trier les fils et je vous reprends pour les perles. Donc voilà, j'ai fini de positionner tous les fils sur ma petite tablette, palette, whatever you want to call it. Donc voilà. Donc les couleurs en question. Ça prend pas longtemps. C'est vrai que c'est un peu embêtant de devoir trier. On aimerait mieux que ce soit déjà fait. Mais bon, voilà, il y a des moments où on met de la main à la pâte, comme on dit. Hein. Et puis voilà. Donc, une fois que c'est sorti, une fois que vous avez tout trié, vous avez tout mis correctement, ça ira beaucoup plus vite, le process sera là et ça sera comme un kit normal après tout. Donc, maintenant, on va trier les fameuses perles en question. Donc, on va commencer par l'un des premiers sachets, entre autres. Et je vais vous faire voir le premier sachet et le reste, c'est exactement la même chose que les autres. Donc, il n'y a pas de raison que... vous ne compreniez pas trop comment ça fonctionne, donc on va prendre le premier sachet et ces deux-là sont ensemble. Donc c'est le matte pumpkin and the boys and berry. Donc je pense que c'est celui-ci, couleur pumpkin, c'est couleur orange et berries, un peu de couleur foncée. Donc, pour faire ceci, je vais utiliser, comme je fais du diamond painting, c'est beaucoup plus simple. Je vais utiliser une de mes palettes normales. Je vais vider le sachet à l'intérieur. Pas en perdre. Je ramasse au passage les fameuses aiguilles. Hop, il y en a encore une à l'intérieur. Voilà, elle n'y est plus. Donc les fameuses aiguilles sont ici. Donc comme on a vu tout à l'heure, il y en a une qui est beaucoup plus petite que l'autre. Vous voyez, il y en a une qui est plus petite que l'autre. Hein. Donc le chat est plus petit que l'autre. Il y en a une donc, qui est pour les points de croix et l'autre qui est pour les perles. Donc, on va garder ça bien au chaud dans le sachet. On va... bien au chaud, ouais.
J'ai parlé un petit peu trop vite. On va, je pourrais retirer la plus petite qu'à faire, la plus simple. Regardez l'autre au chaud. Et puis ben, on va trier. Alors pour le pumpkins, c'était le symbole du métro, n'est-ce pas? Et puis l'autre, c'est le symbole produit toxique. J'essaie de trouver un symbole équivalent. Alors, on va retirer le pumpkin, ce qui est quand même plus voyant à l'œil. Donc, apparemment, si on secoue légèrement et on secoue bien, normalement, les perles, d'après ce que j'ai vu, et c'est ce qui m'a l'air de se passer quand même, c'est que elles, comme la perle est plus lourde autour que qu'à l'intérieur, normalement si vous secouez, les perles se mettent à plat et en fait vous avez face à vous le trou dans lequel vous pouvez facilement donc trier. Donc je pense que celui-ci et puis l'autre va aller assez rapidement comparé peut-être au dernier où il y a beaucoup plus de couleurs dedans. Celui-ci il n'y a que deux couleurs. Donc, alors c'est pareil, j'ai vu des gens et ça m'en a tout l'air d'être ça parce que c'est les perles n'ont pas l'air d'être identiques. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui préfèrent utiliser de perles de qualité, donc elles vont avoir des perles qui viennent, je sais plus de trop où, là de Chine ou je sais pas trop où, où les perles sont dimensionnées plus ou moins correctement et plus ou moins égales l'une à l'autre, alors que comme vous voyez celle-ci, il y a des perles qui sont plus épaisses que d'autres. Je sais pas si vous allez bien voir sur celle-ci parce que celle du milieu est beaucoup plus petite que celle. Si je mets quelque chose de foncé dessus, ça va aller mieux voir. Celle du milieu beaucoup plus foncée, beaucoup plus petite que les deux autres. Mais bon, c'est pas non plus le drame. Donc voilà quoi. Mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui aiment bien que tout soit égal, parfait, chacun est libre. Hein. Donc vous êtes libre d'aller acheter vos perles ailleurs et vous avez les références. Donc ça ne peut que être pratique pour retrouver des perles, probablement, j'allais dire, entre guillemets, de meilleure qualité, comparé à ce kit là, mais bon, c'est chacun son choix, chacun fait comme il pense être le mieux pour lui. Donc, voilà. Non, je pensais que ce serait quand même un peu plus difficile pour trier. Mais ça va encore, quoi. C'est assez simple. C'est pas trop compliqué.
Désolé si vous entendez les voisins. Il y a un brin de soleil, donc tous les gosses jouent dehors, ce qui est très bien. Parfois, ça peut être un petit peu bruyant. Mais bon, je préfère ça que d'entendre des gens se bagarrer ou quoi que ce soit. Et puis, c'est plus, plus sain pour les enfants de jouer dehors. Ça me rappelle mon enfance quand on se faisait engueuler parce qu'on restait dans la maison alors qu'il faisait beau dehors et qu'on était resté déjà enfermé tout l'hiver. Bouffer les nerfs des parents, on va dire ça comme ça. Alors l'été, dès qu'il y avait le rayon de soleil, prof, on nous foutait dehors, hein, et hop, il n'y a plus trop le choix. Et qu'on aille dehors. Mais bon. Alors, j'ai aussi vu que certaines personnes disaient que trier les perles, ça peut être, entre guillemets, du rapide comme ça peut être du très long. Pour certaines personnes, ça peut jusqu'à 45 minutes, une heure, pour trier les perles. Donc, j'allais dire, il faut prendre le temps de préparer. Une fois que vous avez préparé, je vous assure que pour faire le reste, après, ça va aller beaucoup plus vite pour travailler chaque perle ou chaque chaque fil. Ça va quand même aller beaucoup plus vite. Il n'y en a plus, donc celle-ci c'est fini. Celle-ci on n'a plus qu'à ouvrir et puis verser. Oups, je récupère ça que j'ai fait tomber. Ah oui, et puis j'ai entendu dire aussi que avec les kits, mail kit, les symboles, les perles, les fils. C'est les répétitifs, c'est les mêmes, je crois. Alors, je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais voilà. Donc voilà, on a fait le premier sachet. Bon, ça prend pas non plus des plombes. Donc, ce que je vais faire la même chose avec
le sachet numéro 2, le sachet numéro 3, et puis je vous retrouve à la fin une fois que tout est trié. Alors, à tout de suite. Coucou, I'm back, I'm done. J'ai fini toutes les petites perles à trier. Ça m'a pris, je dirais bien, 40-45 minutes probablement à trier toutes les couleurs. Plus il y a de couleurs, évidemment, dans le sachet, et plus c'est long. Ces deux symboles, juste pour précision, en fait, ces deux symboles, en fait, ils ont exactement la même couleur. Pourquoi on a deux symboles différents, je ne sais pas encore. Probablement quand on va le faire, on découvrira. Mais les deux ont exactement le même nom et le même chiffre de couleur, le Maple Sugar 02041 pour les deux. Donc le reste qui me restait, j'ai divisé en deux et j'ai partagé les deux boîtes, et puis on verra bien ce que ça donne à la fin. Mais ouais, voilà. Donc voilà, le tri a été fait. Quoi dire de plus? Bon, rien d'autre, hein. Voilà, tout est fait. On a fait ensemble donc la préparation du Mill Hill Kit. Et puis la prochaine fois, on attaquera ensemble le projet. Et puis on fera le milieu et puis on découvrira ce qui nous attend au milieu. Alors en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite plein de courage. Si vous êtes en vacances, profitez un maximum. Si vous avez du temps off, profitez un maximum. Et puis si vous travaillez, vous faites comme moi. On continue à travailler. Et puis on prend notre courage à demain. Allez, en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye bye. Et puis je vous dis à très bientôt. C'était Tea Time Fix.